Eh bien bonjour mes petites glaouilles, et bienvenue pour cette nouvel épisode 4 de Far Cry 4, l'intégrale. Sinon ça va vous? Non. J'en ai rien à foutre, ne me le dites pas, je m'en fous. Bref, alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, il y a Bunaimin qui nous a attaqué le village, on a allé libérer des otages, et juste avant on est allé voir le mec un peu timbré là, le prêtre qui vend des armes, voilà. Et du coup pour le prochain je pense qu'on va récupérer un avant-poste. Et ben c'est parti, on commence tout de suite. Putain, vous avez vu ça, je suis à 2,4%, 1h29 de jeu, bah bon Dieu. Continuez. Et ben c'est parti. Oui, c'est vrai, le chargement est très long, très chiant. Kirat. Père des Gémoangal est le fondateur de la rébellion du Sentier d'Or. Trouvez les Tantakrat et revivez le mythe de Shangri-La. Le Kukri est utilisé par les guerriers Kirati depuis la nuit des temps. Eh ben bon Dieu, on en apprend des choses. Envoyez les personnes les plus recherchées au Sentier d'Or d'accomplir l'assassinat. Ok. Longinus, ah oui, c'est Longinus, c'est le mec, le prêtre qui vend des armes. En moins, il dit, quelle arme aurait choisi Jésus? Eh ben, bon Dieu, je pense qu'il aurait pris aucune arme, lui. Hein. Bon, il était complètement pacifiste, le mec, le gars, il s'est quand même foutu sur la croix sur nous, quoi. Bref. Incursion, eh bien nous sommes partis, faites donc voir, alors. Qu'est-ce qu'on a là? On a des... ouais. On va pas commencer à faire de l'exploration, parce que... pour le moment, on n'est pas très élevé niveau rang, enfin niveau, voilà. Expérience, tout ça, mais... fais voir ce qu'il y a un peu ici. Alors là, c'est quoi? C'est objectif en cours, d'accord. Rejoignez l'avant-poste, ok. Il y a l'hippocampe là, d'accord. Bon bah. Un petit marqueur. Alors. Alors oui. Alors, comment qu'on fait? Non. J'ai fait F1. Confection. Ah d'accord. Confection. Ah oui, on peut. Ah oui, putain, c'est vrai, il va falloir se faire des trucs et des machins. Progression, collection, sac à butin. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vendre des trucs du sac à butin. On va aller d'abord... hop. Pour voir, parce qu'il me semble qu'on peut vendre des machins, là. Déplacement rapide, oui. Eh oui. On va aller vendre des trucs, parce que là, le sac à butin est complètement plein, vous l'avez bien vu. 27 sur 30. Eh. Alors ça c'est quoi? C'est... oui. Interagir, d'accord. Alors, ah, est-ce que... c'est quoi ça? Pour lire, on s'en bat les couilles. Oula, bah déjà, Benyong. Vendre, bah voilà, tout simplement, vendre. On va vendre le kit de couture. Contraceptif. On va vendre ça. Voilà. Pièce en platine, on va vendre. Lingot d'or, ah bah oui! Feuilles vertes, on vend, on s'en bat les couilles. Confirmé. Ah oui, non. Parce que ça sert pour faire des potions, là, des trucs de soins. Clé de à tuyau, on vend. Compresse, on vend. Porno vintage, on vend. Shangri Lager. Voilà, on vend. Oula, mais j'ai plein de trucs qui me servent à rien. Peau de loup, on garde. Sac de riz, ça vire. Ça vire. Éléphant en plastique, ça vire. Peau de sanglier, on va garder. Gants chirurgicaux. Tuyau caoutchouc. Rouge. C'est quoi ça? Message de maman. Bah non, on va le garder. Attendez, désolé, j'ai un peu chaud. Je vais enlever ma veste. Voilà. On n'est pas mieux là, comme ça. Hein. Eh bien, c'est parti. Paf, paf. Non, oui. Qui êtes-vous? Mais où est donc Ornicard?
Du coup, on va aller ici, on peut pas y aller. Ouais, on peut pas se chez les targets là-bas parce que on n'a jamais visité l'endroit, alors on va y aller à pied. Enfin, à pied, on va voir, hein. C'est pas. Alors, c'est. Ah, bah tiens, regarde, il y a le subterfuge. Ah, attends. Non, j'ai oublié un truc. Désolé. My bad. Non. Je suis sorti d'où, moi? Non! Oh, Nadine. Je suis sorti de là, moi? Oui. Faut que j'achète des munitions, tout simplement. Plein de munitions. 7000. Fusil d'assaut. Oui. Merci. Bah oui. Quand même. Faut un minimum de. Hein? Bon. Hop! Hop! Parcours! 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 Michael, parcours! Parcours! On va prendre le cerf-volant là. Allez! Non, merde! Ah! Il est où? Il est où? Ouais, c'est après la. Ouais, d'accord. Ok. Que je pensais prendre le chemin par là, mais en fait que non, qu'il faut passer par là. Ce sera plus simple. Bon, 400 mètres. Ça va. Oh mon Dieu. On n'arrête pas le progrès. Fais voir, fais voir, fais voir. Oh là là. Ah, c'est l'avant-poste. Les avant-postes hostiles se repèrent facilement aux colonnes de fumée noire qu'ils émettent. Si vous libérez un avant-poste sans déclencher l'alarme ou sans être repéré, vous recevrez un bonus d'XP. Chaque avant-poste libéré débloque un nouveau refuge et des quêtes supplémentaires. Bah, mon Dieu. Paf! Ah, merde, je me suis niqué. Bon. On va essayer de faire ça gentiment. C'est quoi ça? C'est une plante. Eh bon. On va essayer de s'avancer un petit peu là, comme ça, discrètement. Attention. Parcours! Ouais. On a une bonne vue d'ici. Regarde, on peut voir des fenêtres. Alors. Ah, ça brûle. Il y a un incendie. Ah, désactiver, détruisez la main pour empêcher. Ok. Mais elle est où, là? Oh, je peux peut-être avoir un bon point de vue par là. Fais voir. Alors, on va faire le tour. Gentiment. Ah, merde, j'ai été vu. Ah oui, bah oui. C'est bon, il me voit pas. Il y a des feuilles. Comment on se la fait? On se la fait discrète ou. Tu me vois pas. Voilà, merci. On va passer par en haut. Est-ce qu'on peut. Monter. Nia. Ça. Merci. Feuille verte. Voilà. Écoute. Alors. Alors. Au moins pour avoir. Toutes les personnes. Alors, on va descendre par là, je pense. Tête de chibre. Je vais tous vous ragra. Oh, ils ont même buté
L'hippopotame. Ouais. Alors. Qui êtes-vous? Pourquoi vous tirez? Ah oui, je peux jeter des trucs. Ah. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Je vais voir, il est retourné, lui. Ici. Déjà, là, on est pas mal, là. Y a pas d'autres personnes que j'aurais pas vues? Ah, on peut poser un marqueur. Bah, c'est bien. Ok. Excusez-moi, je me gratte le cul. Voilà, ça va. Allez. Oh là là. Merde! C'est pas ce que je voulais faire! Oh, le con! Ah bah, ah, très bien ça. C'était l'éléphant, la grenade. Voilà. C'est ça, éléphant. C'est bien. La nature reprend ses droits, c'est bien. Ragrallez tous. Braf! Bon bah, j'ai bien fait mon coup. Bon, en fait, ma grenade... Allez, c'est le dernier. The last. C'est qui le boss? Hein? Voilà. On fait un misclic. On balance une grenade au lieu d'une fléchette, là. Et finalement, ça énerve un éléphant qui bute tout le monde. Ben voilà. Alors, fais voir ça. D'abord les otages, maintenant l'avant-poste. On va augmenter. Tu ne coûtes vraiment rien, AJ, mais je dois admettre que tu as fait du bon travail. Merci. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Ou la santé, la tension sexuelle entre les deux, là. Tu veux aller où déjà? D'abord, elle le détestait, normal. Le voyage ne sera pas simple. Et après, finalement. Le nord est aux mains de Pagan Mine depuis des années, et ici, on se bat comme on peut. J'ai promis à ma mère de rapporter ses cendres. C'est sa dernière volonté. Réfléchis bien, AJ. Ta mère savait exactement ce qui se passerait à ton arrivée au Kirat. Le fils de Mohan Gale revient dans son pays natal en pleine guerre civile. Ishwari savait ce qu'elle faisait. Ta présence ici et l'aide que tu apportes ne sont pas un hasard. Toi avec nous, AJ. T'imagines, elle te parle comme ça avec plein d'émotions et tu lances un gros roux en pleine poire. Que ce soit en dispersant ses cendres. Anna, fous de tes histoires là, de légendes, de trucs là. Et j'en ai rien à cirer. Et ouais, c'est juste la dernière volonté de ma mère et je balance ses cendres dans ce foutu taudis et après, moi, je rentre chez moi me boire quelques bières. Il voulait libérer le Kirat. Tu sus? Tu as l'occasion de nous aider à finir ce qu'ils ont commencé. Arrête. Alors, réfléchis bien, AJ. DJ. J'y réfléchis bien, DJ. Yo, wiki wiki wa. Maman, je crois que je vais rester. Ah bah ouais, avec une gueusesse pareille, avec ses jolis yeux. Moi aussi je reste, hein. Non alors. Non mais attends. Et le mec, il se rabat toujours avec les... avec les cendres de sa mère. Vous avez débloqué le jeu en coop. Pour en savoir plus... Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Bienvenue à Kir, d'accord. Pour en savoir plus, allez parler à Urk. En suivant l'icône à proximité. Et vous pouvez également appuyer sur virgule pour ouvrir le menu stratégie et lire la section jeu en coop. Pour jouer en coop, vous devez avoir choisi commencer en ligne ou continuer en ligne dans le menu principal. Ok, rien à foutre, moi je veux pas jouer en ligne, moi je veux pas jouer en coop, moi qu'est-ce que t'as? Allez parler à Jamazarza pour débloquer les... Ah oui, bah les couilles. Oui, moi ce que je voulais voir, il est où le... Attends, mais du coup, le... Putain, mais on est là, moi je voulais aller voir 2-3 trucs ici, moi. Wesh. Pélo. T'es
Comment je descends? Et qu'est-ce qu'on fout là-haut d'abord? Qu'est-ce qu'elle est venue me parler? Qu'est-ce qu'elle me casse les couilles celle-ci là? Y'a un truc là? Y'a rien ici? Bon. Putain, mais par où je descends, bande de cons? Putain. Je vais devoir faire le tour de l'Himalaya là? Pas cool! Non. Mais. Casse les couilles ceux-là? Mais. Ah! Il y a une tyrolienne! Eh putain. Il y a une tirelire. Ah là, putain, fallait voir ça avant, espèce de armoire. Ah là, la tirelire là. Ça te brûle pas les doigts là? Ah bah non, il a des gants. Banco. Who is the boss? Ah, là. Là. Voilà, il y a quelques coffres. Film en 3D, waouh. J'ai 100 soins. Qui? Qui? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est? Qui tire? Pourquoi? Putain, mais ils sont sérieux! Oh, c'est un pigeon, les gars! Faut que je recharge! Couvrez-moi! Ils sont sérieux, mais c'est un pigeon! Faut se calmer, là! Longue vie au sentier d'or! J'en reviens pas de ce jour-là! C'est un miracle! Ouais. Un mouchoir. C'est quoi ça? Ah, faut retirer des propagandes détruites, d'accord. Bon, alors, ce qu'on va faire. Se soigner. Voilà. Oh, j'ai cru que vous ne reviendriez jamais. Eh ben. Plein de munitions. Oui. Acheter et personnaliser. Y'a quoi? Oh, attends, un gilet pare-balles. Seringue et pachyderme pain, qu'est-ce que ça, tu veux que ça me foute de ça, moi? Jetons un mercenaire, munitions, carte, c'est quoi ça? Quoi ça? Objet du kirat. Ah, d'accord, on peut acheter des cartes pour. Armes spéciales. Là, j'ai les armes. Donc, j'ai déjà les deux, là, fusil à pompe. Et. Putain, c'est cette merde là. Ok, alors. Fais voir. Paf, paf. Confection. Alors. Holster. Holster, comment on crée? Ah? Ah, je viens de le quoi? Ah bon? Ah, parce qu'il fallait des. Ah bah oui, c'est marqué en bas. Ingrédients. Peau de Bahra. Faut des couilles, deux couilles de. Sambar. Sambar. Alors. Bon, ça veut dire holster d'armes, ça veut dire que je peux avoir une arme en plus, Ner. Vide arme de poing. Oh bah attends mon petit, va. Tiens va, mon petit. L'arme de poing que je vais te mettre dans la gueule. Arme de poing, qu'est-ce que j'ai en arme de poing? J'ai ça. J'ai ça, on va mettre ça. Banqueroute, voilà. Ok. Ok, ok, ok. Et du coup, pour les munitions, munitions max, très bien. Et ben voilà. Acheter. Non, non, objet. C'est 20 000. Ouais, allez. Arrachez les affiches de propagande de Bunaimin à chaque fois que vous en croisez, d'accord. Ok. Les refuges vous permettent d'effectuer des déplacements rapides. Changer d'heure pour faire l'achat comptoir, d'accord. J'ai vu une carte. En bas à gauche, là, c'est quoi le truc bleu, là? Putain, c'est encore dedans, mais oh, je vais jamais y arriver. Putain, alors. C'est quoi, c'est ça? J'ai cru que vous ne reviendriez.
reviendrez jamais. Libération d'otage. Une petite ferme. Bonjour, AJ. Maintenez E pour Pou. Je m'en bats les couilles, hein. T'es bien gentil. Compétences. Ah, j'ai des compétences. Moi, j'ai des compétences, ah bon? J'en ai deux à utiliser. Bon, alors c'est quoi ça? Vous pouvez viser et tirer... Mais ça, c'est, j'ai déjà pris. Les précisions... est grandement accrue pour la plupart des armes. Pour la plupart des armes. Attends. Il m'en reste de compétences, là? Il m'en reste combien de compétences? Il m'en reste deux, bah, mon dieu, je suis riche. Alors la trompette, les seringues restaure 4 barres. Vous pouvez désormais récolter 2 fois plus de mes couilles. Vous êtes moins vulnérable aux dégâts et à la flamme d'explosion. Allez, on va prendre ça. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, il m'en reste encore un. Ah bah, et non, c'est bizant ça. Allez, on va prendre ça. Allez. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est où les missions? Les missions, c'est quoi ça? Ouais? C'est quoi ça? On a la pierre? Vous enlevez les chats? D'accord. Oh bah attends. J'avais pas vu un truc. Et ben on est précisément là où je voulais. Deux sur 20, voilà. Allez, passe, voilà. T'es gentil. Voilà. Ah, du coup on est là. C'est la fête, oh là là. Bah qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a le H, je peux aller au H, mais sinon les autres missions, moi j'en sais rien moi. Collection, confection, stratégie, compétences, mais qui bonus d'XP attribué. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait déjà 23 minutes. Bah j'en sais fiche, je crois rien. Parcours. Y'a que les ah bah tiens, regarde, voilà, ça, j'aime bien ça. C'est quoi, lieu inconnu? Découvrez ce lieu unique pour en prendre plus sur cet étrange pays. Eh bah allez, vas-y, hein. Marqueur, parcours. Parcours, marqueur. Alors, qu'est-ce que je fais? On va prendre... J'allais dire le TGV. On va prendre le quad. Pour y aller, ça fait voir du pays, et voilà, et on se prend des armes, c'est génial. Allez, allez. J'ai reçu des messages sur WhatsApp. Je peux pas répondre. Droite, allez. Ah. Ou bah alors. Bordel, mais qu'est-ce que tu fous? Bah j'en sais rien. Et il est où mon quad? Bon bah on va prendre le delta plane, hein. Putain, je suis vraiment une merde. Oh bah non, il y a un autre quad. Bah on va prendre l'autre quad. On va peut-être y arriver cette fois-ci. On va aller moins vite. Wow. Parkour. Fast and Furious. Voilà. C'est... Vous occupez pas de moi. Qu'est-ce que c'est? Karma. Terminez des événements de karma ou faites tourner des moulins à pierre pour gagner du karma. Augmentez votre niveau de karma pour obtenir des améliorations de mercenaires. Atteignez des niveaux de karma supérieurs pour réduire le coût de vos achats d'un comptoir. C'est le karma, ça? Ah bah allez, le karma. J'arrive. Merde, c'est où? C'est là. Je
Eh merde! Il est mort! Toi aussi! Voilà! Bah, c'est pas facile! Ah bah, il y en a un plus près! Pleine tête! J'ai gagné le karma? C'est bien! Il y a le coup de trompette! Ok! Oh, vous allez pas! Qui? Toi, c'est toi? Ah, il m'a donné des trucs. Bah, c'est bon, arrêtez de tirer, bordel de merde! Putain, c'est quoi ça? Hein? On a compris! Oh là là! Vacarme pour rien! Bon, on a compris, tête de chibre. Alors. Ah. Ah là là. Ah, la jouabilité là. Ouh là là. Ouh là là, j'ai pas le permis. Et je suis bourré. Ah, laissez-moi passer, je suis complètement bourré. Bande de cons. Et laisse-moi pousser, toi, putain. C'est pas une embuscade. Tête de chibre. Ah, bah oui, ne tuez pas les civils innocents. Bah oui, mais en même temps, s'il se met sur la route. Bah j'ai perdu tout mon karma. Bah c'est bien ça. Allez. Allez. On va ralentir un petit peu. Un tout petit peu. Voilà. Nous sommes arrivés à destination. Bon, j'espère qu'il n'y a pas des sangliers et autres tigres. Genre des bestiaux qui en ont des merdiers de toutes sortes là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vois rien? Aurais-je le droit d'avoir une lumière? Un jour. Oula! Là c'est là, 47 mètres. C'est pas par là? Si, c'est par là! Bon, j'ai la vague impression, j'ai l'impression qu'il faut aller. On plonge, allez. J'ai vu un truc briller. De Yalonga. Ça doit sentir le renfermer là-dedans. Quoi? Ah. Ah bah lui, il a pas eu de chance. Alors, éteins encore ces graffitis là. Vous faites chier hein, les jeunes. Hein. Faire des gribouillis sur les murs, bande de cons. Ben. Une bible, ça me servira. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Forteresse. Ah, c'est des forteresses. Ah! Oula, oulala. Mission Sentier d'Or. Eh ben, on va aller voir ça! On va aller voir ça! Alors. Yalla. Ouais, d'accord. Ok. Je ne vois absolument rien. Je ne sais pas par où faut passer. J'imagine que c'est peut-être par là. Oui. D'accord, oui, enlève. Ah. Il a enlevé la lumière alors qu'il était dans le noir complet, le coup. Yeah. Attends. Putain, j'ai encore un point de compétence. Fuis. Mais je peux rien prendre. Eh ouais. Ah c'est. Ah attends. Bah bon, voilà, écoute. On va prendre ça. Eh, ouais. Fais gaffe à mon quad. Sinon je te racra. Du coup, qu'est-ce qu'on voulait faire? Bah putain, je suis con, on peut chez les targés là-bas. Ah, au lieu de faire chemin. Ah,
Ouais, effectuer un déplacement rapide, oui. Pourquoi je fais ça? Bah parce que j'ai besoin de ça. Eh oui. Eh oui, mon petit. Non, c'est bon, mon gilet pare-balles est à 100%. Waouh. Alors. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Putain, sa balle! Non! Tu ne vaux pas mieux qu'un dealer! Si j'étais toi, je n'entrerais pas maintenant. Tu sais qui tu me rappelles. Ah ben. Pourquoi est-ce qu'ils se disputent, Pagan? Les soldats de Pagan Mine s'apprêtent à attaquer un de nos camps. Amita dit qu'on doit d'abord récupérer les informations rassemblées par nos soldats. Sabal pense que c'est plus important de sauver nos hommes. Et ça fait longtemps que ça dure? Ah, suffisamment. C'est la même chose à chaque fois. Ils restent campés sur leur position. Un vrai mal. Bon. Vous avez commis des crimes contre les dieux. Je voudrais pas te déranger. Mais tu es Ejegel, c'est ça? Non! Oh, merci de nous venir en aide. Je suis précise ce que tu fais ici. Kim Jong-un. Non, c'est le sentier d'or qui est venu me sauver, mais honnêtement, je suis juste ici pour disperser les cendres de ma mère. Vous avez commis des crimes contre les dieux. Mais maintenant, tu vois ce que Pagan a fait à ce pays. J'en ai rien à foutre. Tu es le fils de Mohan Gale. Et alors? Que tu le veuilles ou non, le Kirat est ton pays. Bah les couilles. Et tes choix vont avoir un impact. On a besoin de quelqu'un pour sortir de cette impasse entre Amita et Sabal. Ne l'oublie pas quand tu entreras. Si, je vais l'oublier. Oh, moi, je veux retourner en Occident, dans un pays occidental. Je veux boire du coca et manger du McDo. Qu'est-ce que t'as? Des vies sont en jeu. Si on ne fait rien, des gens mourront. C'est la guerre qui est en jeu. Il nous faut ces infos. Souviens-toi de ce que tu disais pour Darpan. On a besoin de ces soldats sur le front. Si j'avais dû choisir entre Darpan ou les infos, j'aurais choisi les infos. Chut. Ah bon, il me laisse comme ça, d'accord. Super l'ambiance. Les missions équilibre du pouvoir sont critiques pour le Sentier d'Or, mais Amita et Sabal ont des objectifs différents. Parlez aux deux leaders et choisissez celui que vous soutiendrez. Votre choix débloquera deux missions différentes. Vous créerez aussi ainsi de nouveaux objectifs pour les missions à venir et déciderez du nouveau leader du Sentier d'Or jusqu'à la prochaine mission équilibre du pouvoir. D'accord. Eh bien écoutez les copains, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 4 de Far Cry 4 l'intégrale. J'espère que ça vous aura plu et même, choisissez la mission, ouais. Et même si ça vous a pas plu, ben, je m'en bats les couilles, clairement. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter, tout ça. Et aussi, allez voir ma chaîne principale, le lien est dans la description, bien sûr. J'espère que tout ira le mieux pour vous jusqu'à la prochaine. Portez-vous bien, faites attention aux gestes barrières, et à pas plus de 6 dans des endroits confinés, d'accord? Vous êtes bien aimables. Merci, et je vous dis à la prochaine. Allez, tchou! Ah oui.